Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mario. Et oui, donc ça change un peu de Pokémon ou bien de Minecraft. Et oui, maintenant on va faire un peu de Pokémon. Alors donc, j'espère que vous savez, moi ça va super bien. On est sur Mario à la recherche des 6 pièces, ou du moins les 6 pièces d'or de mémoire. Oui, donc déjà j'ai lancé le jeu il n'y a même pas 10 minutes, même pas 30 secondes là. J'ai déjà oublié, et oui, donc vous voyez quand même que c'est du graphique majestueux pour l'époque. Ouais, c'est rare qu'on trouve des si beaux graphiques pour cette époque. Après, je dirais ça, je dirais rien, hein. Même si je sais que cette expression agace plus l'un d'entre vous, mais il faut avouer quand même que c'est pas des graphiques quand même qui vont dignes d'un Call of Duty actuel. Je crois que ça va, il y a. Il y a pire, il y a mieux aussi, mais bon. Ouais. Attendez. Ouais. Désolé, je m'éclate à récupérer les pièces, puisque en fait, les pièces servent pour le. Pas la fin du jeu, mais pour en fait se faire des. On va dire. C'est pas le terme cadeau qu'il me faut, c'est. Pour faire des achats, donc de bonus en fait, si vous voulez. Donc comme vous avez pu le voir, le champignon, ou bien d'autres cadeaux, hein. Du style, je sais pas, attendez, il faut que je trouve du style, ouais, je sais, les champignons, voilà. Donc, je ne repensais, la réponse est toute simple en fait. Et donc ça c'est donc comme vous avez pu le constater, donc attendez, c'est lui. Voilà. Et hop, donc vous allez vite voir que je récupère vraiment, je tente de récupérer toutes les pièces. Et là vous vous dites, mais c'est quoi cette cloche? Alors cette cloche en fait c'est le point de sauvegarde, en fait c'est un checkpoint si vous voulez, qui nous permet en fait de sauvegarder. C'est le principe du checkpoint, hein, jusque là c'est normal. C'est comme quand je dis sur ma chaîne il y a des vidéos, ouais, c'est normal. Oui. Faudrait s'inquiéter s'il y avait par exemple, je sais pas, ta vie, quoi déjà mis un peu. Ouais. Désolé, je m'éclate. Hein. Donc là, j'espère que ça vous plaira, que je fasse un rétro gaming, entre guillemets. Puisque, en tout cas, moi, je prends un plaisir fou de jouer à Mario. Puisque c'est un Mario qui a marqué mon enfance. Là, on dirait un vieux. Ouais, donc c'est un jeu qui a marqué mon enfance. J'ai tel âge, ouais, non, faut pas exagérer. Voilà. Alors, je donne de parler un peu plus fort, comme ça on entend mieux. Alors, là nous sommes dans le loto, en fait, si vous voulez. À qui le tour? À Mario, hein, donc. Et en fait, le but c'est en fait de choisir, j'ai dit en fait, hein, c'est de choisir un cadeau. Là, ça me sert à rien puisque j'ai déjà ça. Alors, maintenant nous, on a accès à la totalité du monde de Mario. Alors, pour commencer, nous allons nous faire un petit monde tranquillou. Donc, on va dire que nous allons commencer par. Attendez, là, je ne sais même plus. Non, on va pas faire la tortue, on va faire le monde de Mario. Voilà. Commençons par le monde de Mario. Alors, là, vous ne voyez pas, mais en fait, il y a différentes parties sur les mondes. Donc, sur les, on va dire, les zones. Là, on est dans la zone Mario. Il y a la zone Halloween, il y a la zone Macron aussi. Et après, j'ai pas les autres noms en tête. Alors, le principe là, en fait, c'est. Non, en fait, on va pas faire le Mario, puisque je trouve qu'en fait, dans la réflexion, en fait, c'est pas le meilleur endroit pour expliquer tout cet univers. Alors, juste petite parenthèse, je ferai des épisodes de 20 minutes à peu près. Comme ça, au moins, voilà, ce sera parfait. Alors, voilà, le voyage. C'est bon, je parle bien français, moi. Alors, je rentre la souris, voilà. Vous voyez là que sous Mario, il y a en fait un petit rang, donc comme celui-ci.
J'espère que vous voyez la souris, parce que sinon ce que je veux dire, je vais sembler ridicule. Alors en fait, c'est en fait pas des non, n'importe quoi. Pas des chapitres, non, des chapitres dans la tête, ça va être mort. Attendez, je cherche le nom. Désolé, trou de mémoire. Ce qui compose un jeu, c'est des. Bon, je sais plus. Ce sont des petits ronds. Ah, punaise, ça me perturbe. C'est des. Mondes. Voilà, on va dire des mondes. Et dans ces mondes, en fait, bon, c'est des niveaux. Des niveaux, voilà. 10 minutes limite pour trouver un niveau. Pour trouver un niveau. Non, j'ai mis quand même une minute, quoi. Vraiment. Alors. Oui, j'ai cru entendre un bruit. Donc, dans ces niveaux, il faut les faire, voilà, tranquille, hop, voilà, je tue les petits monstres, tranquille, de l'univers de Mario. Et ensuite, il faut que j'avance sur les niveaux, et en fait, à la fin, vous voyez que ça, c'est même plus un rond, c'est un carré. Et en fait, ce carré, c'est un boss. Donc, je pense que ce sera quand même mieux si je vous explique plus franchement que ce que je viens de faire. Puisque ça, j'appelle pas ça un topic. Non, là, alors donc bien évidemment chaque monde a son monstre spécifique, bien évidemment. On va pas trouver tout n'importe quel monstre dans n'importe quel niveau. Voilà. Ça aussi c'est important de le savoir. Hop, hop, voilà, donc comme je vous l'ai dit, je prends la plupart des. Ah punaise Désolé, là, petit énervement. Vous voyez que je tue pas tous les monstres, hein, c'est intérêt réduit. Hein. Hop, même là, en fait, je peux plus le tuer, puisque. Donc, ça, ce n'est pas un monstre qu'il faut attaquer de face, ni de dos d'ailleurs. Puisque, n'importe quel contact avec un monstre, en fait, on meurt. Attendez, il me semble que j'ai bien vu, je peux pas partir par là. Hop, par là non plus d'ailleurs. Alors, on va se tenir loin de la grenouille. Voilà, hop, il n'y a plus de grenouille. Hop. Ça, je sais pas si c'était contre moi, mais bon, hop. Ouais, c'est contre moi. Mais puisque si ça me fait perdre des grades, entre guillemets. Bon, on va dire que c'est des grades. J'entends comment je peux faire ça autrement. Oh non! Oh deg! Ah, ça, enfin, je suis dégoûté là. Ah, je viens de perdre 2 grades en même coup. Ah! Oula. Bon, en fait, c'est. Si vous voulez, en fait, c'est faire en fait de. Des sauts de façon à éviter les ennemis. Alors donc, maintenant je vais devoir sauter ice pour essayer d'éviter d'avoir la cloche et de me faire tuer aussi. Comme ça déjà ça c'est un problème. Ouais, bon en fait je suis pas assez grand pour l'avoir. Dégoûté. Je suis dégoûté. Alors bon. Non j'ai arrêté maintenant comme ça moi. Je vous laisse savourer, savourer. Non, comme ça au moins, vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette nouvelle série, entre guillemets. Bon, je pense que si c'est pas avec vous que je le fais, ce sera tout seul. Hein. Et donc, en fait, à chaque fin d'épisode, on se retrouvera ici pour donc jouer au loto. Ah, pour y aller entre l'épisode aussi, mais bon. L'important c'est qu'à la fin j'ai assez de pièces pour me faire des achats. Et donc voilà. Alors en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo donc sur un jeu à la recherche de la technologie, sur Pokémon ou bien sur Mario. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Oui que ça vous plaît, c'est ça l'important dans l'histoire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Donc pensez aussi à partager. Ça me ferait très plaisir. Et je pense qu'on doit. Là où je tourne cette vidéo, on a dû dépasser les 80 abonnés.
Donc je vous en remercie grandement. Et j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!